Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Préfonds, 10 minutes pour comprendre. Comme à chaque fois, nous allons tenter de vous donner des clés pour tout savoir, pour tout comprendre de la retraite et de l'épargne dans la fonction publique. Aujourd'hui, focus sur la retraite des agents territoriaux. En quoi est-elle spécifique? Comment la préparer? Et comment s'informer? Trois intervenants pour répondre à nos questions. Sylvie Buronec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de Sofaxi. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, directeur général de Préfonds. Françoise Kleinbauer, bonjour, bienvenue. Bonjour. Présidente, directrice générale de France Retraite. Sylvie Buronec, Sofaxi, c'est un partenaire du monde territorial. Vous accompagnez les agents dans la prise en charge des risques. Que leur proposez-vous exactement? Alors Sofaxi, ça, groupe Reliance, accompagne les agents, mais nous accompagnons aussi les employeurs territoriaux. Je dirais, on démarre... Des deux côtés. Des deux côtés, on démarre par l'employeur territorial. L'employeur territorial, on va l'accompagner dans la réalisation de ses missions de service public et dans la protection de ses agents. À ce titre, depuis 35 ans, on accompagne 20 000 collectivités territoriales, des centres de gestion, des régions, des départements, mais aussi des SDIS, les sapeurs-pompiers. En fait, en prévoyance, il y a un niveau 1. Le niveau 1, c'est l'assurance statutaire. Et là, on va accompagner l'employeur territorial dans le pilotage, dans le suivi et puis aussi dans l'assurance de son risque des absences pour raison de santé. Ensuite, pour les agents, là, on va les accompagner, ce que nous permet la loi depuis 2011, à avoir une prévoyance de façon à ce que s'ils sont arrêtés depuis longtemps, ils puissent souscrire un contrat de prévoyance par l'intermédiaire de leur employeur. C'est valable pour la prévoyance, c'est aussi valable pour la santé. Christian Carrega, Préfonds s'adresse-t-elle aux agents de la fonction publique territoriale? Oui, Préfonds a été créé il y a plus de 50 ans maintenant pour offrir aux agents publics, quel que soit le secteur d'appartenance, une solution en matière de prise en compte des primes pour le calcul de la retraite. Et aujourd'hui, un tiers de nos nouveaux affiliés sont issus de la fonction publique territoriale. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de contractuels et donc Préfonds s'adresse également aux contractuels de la territoriale. Les contractuels importants, on y reviendra évidemment. Sylvie Buronec, sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui, la retraite, comment accompagnez-vous les agents territoriaux? Alors aujourd'hui, on présente aux agents en fait une prévoyance complémentaire, une santé complémentaire. Le décret qui est sorti il y a un an engage les employeurs territoriaux à participer aux agents pour cette prévoyance et cette santé complémentaire. Mais pour l'instant, les employeurs territoriaux ne participent pas pour la retraite. Donc c'est important de leur expliquer et de les aider à préparer cette retraite le plus tôt possible. Ce qui changera peut-être à l'avenir. Ce qui changera peut-être, nous espérons. On va en parler. Françoise Kleinbauer, en quoi la retraite des agents territoriaux est-elle spécifique, différente des autres fonctionnaires? Quelles sont un peu les particularités? Alors en fait, les règles de calcul de la retraite des agents territoriaux, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent aux fonctionnaires civils. C'est simplement les caractéristiques démographiques des agents territoriaux qui font que leur retraite est plus petite et nettement plus faible que celle des autres fonctionnaires. Mais c'est vraiment les caractéristiques démographiques qui font ça. C'est-à-dire, alors, une population qui est un peu différente? La population qui est différente, si on devait la caricaturer, la résumer à une seule personne, même si effectivement, c'est pas évident, mais c'est aux deux tiers des femmes. Mm-hmm. C'est aussi à 75% des personnes qui sont en catégorie C. Oui. Et puis petit salaire, petite rémunération, ouais. Et puis également beaucoup de temps partiel. Donc ces trois caractéristiques, elles vont dans le même sens au niveau des retraites, avec plutôt des tendances à avoir de faibles pensions. Une population plutôt âgée ou... Un peu plus âgée que la moyenne des autres fonctionnaires, effectivement. Christian Carrega, pourquoi la solution Préfonds est-elle adaptée à ces agents? Parce qu'elle a été faite pour ça, finalement. Préfonds a été créé justement pour permettre aux agents publics de préparer leur retraite, puisque, on l'oublie souvent, mais... Toute la rémunération ne sert pas à calculer les droits à la retraite. Le phénomène des primes concerne à la fois des jeunes fonctionnaires ou des salaires pas très élevés, mais également les fonctions d'encadrement. Et lorsque vous avez un niveau de prime important, vous avez une perte à la retraite en termes de revenus qui est considérable. Et souvent beaucoup plus importante que dans le privé, contrairement à ce qu'on peut entendre ou raconter. Et donc le besoin de préparer sa retraite est évident. Et là, on a deux situations finalement. Soit je paye beaucoup d'impôts et je peux préparer ma retraite en ayant un avantage fiscal qui est assez majeur, puisque tout ce que je cotise vient réduire mon revenu imposable. Soit je ne paye pas d'impôts, et c'est la majorité de cas des agents territoriaux de catégorie C, comme le disait Françoise, sur lesquels on vient avec une logique de prévoyance. Dès 19 euros par mois, je peux commencer à me mettre un peu d'argent de côté en vue de ma retraite.
19 euros par mois, ça me permet, si je démarre à 30-35 ans, d'avoir 80 euros de revenus à la retraite. Et 80 euros de revenus à la retraite, c'est important pour une retraite moyenne qui doit être à 1200-1300 euros. Donc 80 euros, ça compte. Donc Préfonds a vraiment été conçu dans cette logique-là, avec un point particulier, et c'est le seul sur lequel je vais insister, c'est le côté sécurité. J'ai coutume de dire, je ne joue pas à ma retraite en bourse. Et donc j'ai besoin à la retraite d'avoir finalement la règle des 3 R, des revenus réguliers, sans risque. Préfonds offre cette solution-là. Et la prévoyance, Françoise, je rebondis un peu sur ce que dit Christian, la prévoyance, c'est vraiment le maître mot hein, pour cette catégorie, pour ces agents. Oui, clairement, ce que disait Christian qui est important, c'est qu'effectivement, les retraites sont faibles, les revenus ne sont pas élevés non plus. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir régulièrement pouvoir mettre un peu de côté pour préparer cette retraite. Et cette anticipation, c'est indispensable. Sylvie Buronec, une réforme de la protection sociale complémentaire est en cours. Que va-t-elle changer très concrètement pour les agents territoriaux ? Alors très concrètement, en fait, les employeurs publics vont avoir obligation de participer à la prévoyance et à la santé de leurs agents territoriaux. La dernière question que je pose à tous les trois, avez-vous un ou des conseils à donner aux fonctionnaires territoriaux pour préparer leur retraite ? Alors, je l'ai dit, et sans faire trop de publicité, deux, trois points d'attention. D'abord, j'ai besoin de savoir comment mon épargne est gérée, si le niveau des frais n'est pas trop élevé. Et chez Préfonds, on est très attentif à offrir une solution avec des frais les plus faibles possibles, c'est le cas aujourd'hui, avec une vraie accessibilité, dans une logique où les investissements sont gérés de manière responsable. C'est d'autant plus important que si je veux garantir de la sécurité, j'ai intérêt à investir dans des entreprises qui respectent leurs salariés, qui font attention à leur environnement, qui sont transparentes dans leur communication. Et donc, le vrai sujet, le seul conseil à donner, c'est plutôt faisons confiance à un spécialiste. Et chez Préfonds, un agent public sur deux qui a fait de l'épargne retraite l'a fait ou le fera avec Préfonds. Donc c'est ça pour moi le point le plus important. Sylvie Buronec, vous, quels sont le ou les conseils que vous donneriez aux agents territoriaux pour préparer leur retraite ? Le meilleur conseil, c'est de démarrer le plus tôt possible. Souvent, on ne pense à sa retraite que quand on est en milieu de carrière, voire en fin de carrière, et là, c'est beaucoup trop tard. En fait, c'est dès l'entrée dans la fonction publique territoriale qu'il faut démarrer. Pas un âge, il n'y a pas d'âge particulier. Non. Du coup, c'est vraiment quand on commence, quand on entre dans la vie active. Bien évidemment. C'est le conseil d'ailleurs que tous les DRH doivent donner à leurs agents avec leur début en fait dans la fonction publique territoriale. Il faut y penser dès maintenant. Les agents vont pouvoir prendre une prévoyance s'ils n'en ont pas. Avoir une couverture santé, ça c'est bien, ça les protège pendant qu'ils sont en activité. Mais il faut qu'ils pensent aussi à la période où ils ne seront plus en activité. Et donc de prendre une retraite le plus vite possible, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. François, je vous laisse le mot de la fin. Je pense que ces deux conseils sont judicieux. J'insisterai simplement pour dire que pour les agents territoriaux, c'est d'autant plus important qu'ils ont, par rapport à la retraite, ils présentent deux fragilités. La première, c'est que la plupart des agents territoriaux n'ont pas été ou ne seront pas agents territoriaux toute leur activité. Du coup, ils sont ce qu'on appelle polypensionnés. Donc, ils vont être dans différentes caisses de retraite. Ce qui fait que pour eux, c'est encore plus compliqué d'avoir une vision claire sur ce que sera leur retraite demain. Donc ça, c'est une de leurs fragilités. La deuxième, c'est... Je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes au niveau des agents territoriaux. Et ça aussi, au niveau de la retraite, c'est une fragilité parce que sociologiquement, les femmes se préparent moins bien à la retraite. Elles gèrent plus le quotidien que le long terme. Donc vraiment, pour les agents territoriaux, avec ces caractéristiques, vraiment essentiel de s'intéresser à la retraite. Voilà, s'informer et s'y préparer. S'informer tôt, préparer, anticiper. Et on ne pourra pas le faire vers les acteurs concernés qui peuvent les accompagner. Merci beaucoup à tous les trois pour ces précisions autour de la retraite des agents territoriaux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.